Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. De nouveau, Nakaila pour une autre session. Hein, on connaît. De temps en temps, il faut une bonne quête nouveau sur le canal. Nous saluons. Et nous remercions du fait que vous abonnez. Hein, tout le monde qui fait yo de yon membre dans la communauté, ça, nous disons merci. Et nous comptons avec chaque individu, les individus sont façon de parler, ça veut dire chaque monde qui partout et ailleurs à travers le monde. Nous avons des gens qui sont juste au Kenya qui abonné avec canal ça, et des gens tout qui trouvent au Nigeria qui pas même parler créole très bien qui abonné avec canal ça, des vénézuéliennes qui au Chili qui abonné à canal ça. Merci. Et nous souhaitons que la communauté ça ali grandisse sur YouTube, hein, pour que gagne des nouveaux et des nouvelles monde qui toujours météo à bord pour nous grandir avec canal ça. Je dis à c'est une réponse avec question ça que nous connaît en pile monde à chercher une réponse sur lui. Il y a des monde qui ont des réponses déjà, surtout nos autres chrétiens, nous avons des réponses déjà, sans nous pas besoin faire pile discussion, sans nous pas besoin faire pile paroli, nous avons des réponses dans cette question ça me poser là. Mais il y a des monde tout qui toujours curieux, il y a chercher connait exactement qui est-ce. Mais question oui, qui est-ce qui t'a créé, bon Dieu? Qui est-ce qui t'a créé, bon Dieu? C'est avec question ça, n'a venu avec réponse. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les lois de la nature, bon, loi de la physique, bien entendu, d'après un grand philosophe qui a connu sous le nom d'Aristote, qui était mort dans les années 323 avant Jésus-Christ, ce grand homme, ce grand philosophe que tout le monde le connaît très bien, il a une théorie qui est la théorie aristotélicienne, qui était venue avec un l'idée qui fait quoi chaque cause qui existait gagne un effet et chaque effet tout gagne une cause. Sous logique ça, Aristote chita pour permettre en pile l'idée à travail sur existence bon Dieu, parce que il dit bon Dieu existait, qui cause, d'où vient Dieu, est-il réellement existé, qui est-ce qui t'a créé, bon Dieu? Donc c'est question ça que nous débattons en dans vidéo ça jeudi. Parmi plusieurs de nous a fait analyse ça. Si bon Dieu est une créature qui t'a créé, il se pourrait bien que créature ça qui créé bon Dieu a l'autre créature ou bien l'autre créateur qui créé. C'est logique. Eh bien, normalement, philosophe grec, ça, qui c'est Aristote, dit que, d'après lui-même, il fallait que y ait une cause qui justifiait l'existence, mais qui est-ce qui créait bon Dieu. Donc, nous connaissons, il y a tout un autre athée. Mais ce sont athées, ou qui est-ce qui ont athées? Ils ont athées, sont monde qui pas quoi dans l'existence bon Dieu, qui dit Dieu pas existé. Monsieur, lui-même, lui, c'est un Britannique. Monsieur, fait dans le pays qui aurait les Royaumes-Unis, non, lui, c'est Bertrand Arthur William. Monsieur, lui, c'est un mathématicien. Tissu, non, lui, c'est Bertrand Russell. Donc, lui dit normalement, pourvu que lui-même, lui, pas qu'à chrétien. Il n'est pas qu'à chrétien, raison qui fait, il n'est pas qu'à chrétien, il n'est pas qu'à quoi dans la religion christianisme, c'est parce que, et normalement, raison qui fait le pas qu'à chrétien, donc il dit, chaque bagaille nécessite une cause, c'est normal, ou chaque bagaille nécessite une cause. Pour bon Dieu, tout le suppose une cause, il suppose une cause, hein, de l'existence, qui est-ce qui crée elle?
bien li conclu pour le dire si bon Dieu pas nécessité en cause ça veut dire bon Dieu pas existé et puis il finit avec expression ça la prophète encore il dit si bon Dieu pas gon cause ça veut dire bon Dieu pas existé est-ce que moi même avant nous n'en même pas ni moun sa yo ni Aristote ni Husserl qui c'est des grands philosophes des hommes de lettres qui réfléchit en pile qui gagne en pile savoir qui venait avec théorie ça yo surtout théorie athéiste Husserl là qui même clair pour nous dire que Dieu n'existe pas parce que par une cause qui définit identité mon Dieu côté le sorti qui est ce qui crée etc. Eh bien réponse question qui est ce qui crée mon Dieu nous pas qu'à venir l'autre côté que dans la Bible parce que qui l'autre ouvrage encore qui fait nous connaître un paquet de connaissances sur bon Dieu si c'est pas des ouvrages que monde créé qui sorti en dans la Bible des ouvrages de monde écrit qui sorti qui ont inspiré de la Bible pour écrire et bien nous allons dans source là qui c'est la Bible la parole de Dieu qui va nous permettre nous voir clairement noir sur blanc existence bon Dieu le tout premier verset de la Bible selon Genèse chapitre 1 verset 1 dit nous bon Dieu créé il pas élevé aucune identité de bon Dieu dans premier verset la Bible Genèse chapitre 1 qui dit Dieu créa etc etc mais là entre en dedans l'autre ouvrage qui dans la Bible nous venons pile l'autre texte qui révélait identité bon Dieu surtout Somme 102 verset 25 là qui dit c'est ou même Seigneur qui t'a créé la terre dans tant longtemps c'est avec main ou fait ciel là jusque là il peut qu'on dit en rien de tête et toujours on allait plus loin Somme 19 verset 1 dit ciel là fait paraître à clair pouvoir bon Dieu lui fait ouais tout ça bon Dieu te fait avec même jusque là toujours bon Dieu pour qu'on révéler en rien de identité. Plus loin dans la Bible, selon Jérémie 10 verset Jérémie chapitre 10 à partir de quelques versets, texte a dit mais l'Éternel c'est bon Dieu. Ça m'a dit non c'est vrai, lui c'est un bon Dieu vivant, c'est roi éternel. C'est là que Brel faut si cause tout petit. Terre a tremblé devant colère bon Dieu dans Jérémie 10 là. Il dit il c'est un roi éternel. Qu'est-ce qui fait éternel? Éternel veut dire c'est un être qui pas gagne origine, qui pas de commencement, c'est ça ça veut dire éternel. Éternel ça veut dire il n'a pas de commencement, il a une continuité, il pas gagne un fin pour pi devant. Donc Jérémie commençait à relever identité bon Dieu. L'elle dit bon Dieu c'est un bon Dieu qui éternel. Toujours dans la Bible, dans les Psaumes 90, Moïse, le Moï, celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible que nous est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que c'est Moïse qui a une inspiration pour écrire livre ça. Moïse arrive dans Psaume 90 là pour le dire en parole qui relève un peu tout de l'identité bon Dieu. Est-ce que qu'on l'autre monde qui t'a créé bon Dieu? En nous qui ça Moïse dit, il dit avant que les montagnes fussent nées, tu eus créé la terre. Jusque là, en entre direct côté le fait connait d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Texte m'a appelé moi-même, des fois toujours utilisé surtout dans cérémonie funéraire yo, les qu'on met de cérémonie, toujours utilisé texte ça. Côté Moïse dit non et Somme 90 là Dieu est pour nous Dieu était pour nous un refuge avant que les montagnes fussent nées, tu eus créé la terre d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire bon Dieu t'es là avant toute bagaille t'es créé et li là d'éternité en éternité. Me répond Aristote, me répond ensemble tout avec Bouinet, le philosophe Husserl Bertrand qui lui-même est un athéiste
qui pas croit dans l'existence bon Dieu parce que il pas qu'à joindre qui côté bon Dieu sorti. Eh bien monsieur, c'est dans la Bible directement bien que moi déjà pas peut-être de encore mais il y a un disciple. Mais il y a un disciple parce que partout dans le monde toujours il y a des athées, des monde qui pas croit dans mon Dieu. Moi quand j'étais dans avion, m'ta vin chéri, m'ta rencontré avec un athée, si m'pas trompé, monsieur te gon statue nan men et cetera. Donc des monde qui pas croit dans existence bon Dieu. Mais en dans texte ça aux amis, nous joindre bon Dieu répond lui-même, lui relever identité pour le faire croire exactement qui côté le sorti. Bon Dieu pas grand lieu li sorti et pas un Dieu qui t'a créé longtemps. Il pas Dieu qui s'il t'a créé par un autre, faut ta connait l'autre là, il faut ta joindre identité l'autre là. Moi bon, c'est assez clair, donc on va besoin faire plus de détails sous vidéo. Tout le monde si nous avons une question ou bien un bagage que nous pas connait. Dans les jeunes des athées même qui viennent commenter en bas vidéo ça qui cherchaient d'autres opinions encore s'il pas arrivé convaincre sous vérité qui dégager en dans la Bible qui fait quoi exactement bon Dieu il c'est un Dieu éternel c'est son nom il est un Dieu éternel l'autre petit bagage n'a ajouté sous l'idée Aristote là est-ce que Aristote l'a dit tout ça qui existait est en cause et l'argument Aristote là il dit tout ça qui commençait s'il dit tout ça qui commençait est en cause eh ben Aristote à partir de là tout le monde va comprendre que théorie a gain doit gain place li elle dit tout ça qui commençait est en cause et toute cause gain un effet mais Dieu n'était pas commencé. C'est là Aristote t'a tombé très fort sous senti monsieur et senti t'a tout cassé tout parce que monsieur t'a poussé très fort dans théorie ça parce que Dieu n'était pas commencé. Dieu est éternel, c'est son nom. Par définition, Dieu est éternel, il pas commencé exister. Mais il existe pour toujours. Avant il était créé univers, il était là avant Aristote, avant tout ça qui était créé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bon, pas comme elle plus loin, non? Partagez la vidéo, abonnez et puis tout ça, vous estimez que vous avez dit, faites une part de lui dans les commentaires vidéo. D'accord? Merci du fait que vous regardez la vidéo. Merci du fait que vous avez juste là dans la vidéo. C'est un ami ou frère, Nutterson, Talon. À bientôt encore. Ciao.